Être le champion mondial de la transformation écologique nous oblige. Et nous oblige d'abord à être l'acteur de référence de l'écologie des solutions. Veolia sera autosuffisant en énergie en France d'ici 5 ans et neutre en carbone d'ici à 2050. Mais notre responsabilité de leader de l'écologie des solutions, c'est pas seulement de faire pour nous, c'est également de faire pour les autres. Grâce à nos activités, c'est 14 millions de tonnes de CO2 qui ont été effacées des trajectoires de nos clients. Et c'est qu'un début. Régénération des ressources, dépollution, décarbonation, voilà les trois objectifs structurels de l'ensemble de nos clients. Et voilà ce à quoi nous apportons nos solutions. All our financial indicators over the last 6 years have shown a steady average annual growth. Revenue is up by 14%, EBITDA is up 7.2% and current net income by 30%. Il y avait 40 000 personnes à intégrer dans 40 pays. On a refait une enquête au mois de novembre et le taux d'engagement est de 89%. On est un vrai collectif, tous embarqués, à construire le futur ensemble. Veolia is one of the largest provider of decarbonized energy. We have 15 biomethane production sites. We do already produce hydrogen from biogas. So this was a clear ambition of the 2023 impact plan and it has already been delivered. Les attentes de l'opinion publique, c'est de voir localement s'opérer la transformation écologique. Nous avons une connaissance intime de l'opinion publique là où nous vivons et nous avons une connaissance intime des territoires. Ça aussi, c'est dans notre ADN. Vous pouvez compter sur Veolia pour que cette transformation écologique, elle devienne enfin réalité dans les territoires et que nos résultats soient encore meilleurs année après année. Notre objectif, c'est de contribuer à décarboner la planète. Notre impact mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Et même si ça signifie de faire évoluer les critères de notation ESG qui s'appliquent à notre secteur. Veolia est le leader mondial de la transformation écologique. Et vous l'avez compris, ce ne sont pas des mots en l'air.